Alors là, c'est curieux, un peu cette photo là. Et en fait, un vide-grenier à Châtellerault, un orage qui arrive subitement. Et puis, la petite dame s'est mise en dessous parce qu'elle voulait protéger ses ustensiles. Et puis, elle avait une bâche et elle rangeait ses ustensiles pour pas qu'ils soient abîmés. Celle-ci, ben, bon, il faisait chaud, je me souviens, c'était à Archigny. L'homme vendait des vélos, bon, mais j'ai vu qu'il dormait, c'était après manger. C'est à pas manger. Là, moi, ce qui m'a plu dans ça, c'est bon, les livres, on les vend 50 centimes pièce. Je trouve que passer une journée dans un vide-grenier, il faut avoir beaucoup de courage. Parce que là, apparemment, il faisait froid parce que les filles étaient couvertes. Alors là, celle-ci, bon. Hé, monsieur, vous n'allez pas me prendre la photo? Toc, c'était trop tard. Moi, j'avais pris la photo. Hein. Je n'ai pas attendu. Mais bon, je pense que je ne me moque pas là. Alors là, c'était une braderie à Châtellerault. Dans la rue piétonne, bon, je tombe sur un étalage où il y avait des poupées avec des tchadors. Bon, j'ai trouvé ça, c'était très d'actualité, surtout à Châtellerault. Et alors là c'est pareil, les vides-greniers, il se passe beaucoup de choses, soit il fait chaud, soit il pleut. Et là, il y avait du vent. Alors, il y avait du vent et l'orage arrivait. Bon, la dame avait mis un voile sur sa poupée et puis le vent s'est engouffré dessous. Alors, ça m'a fait un plus bel effet. Moi, j'avais mon appareil. Voilà, je marche toujours avec mon appareil photo. Hein. Là, bon, c'était un objet que j'avais trouvé dans leur déballage, et puis en fait, bah, je l'aurais acheté. Alors, ça les a fait sourire parce que je leur disais, bah, dites non, c'est pas cher, c'était en plate. Bon, là, bah, c'est pareil, je joue un peu avec je fais un peu les effets d'image, quoi. Bon, la dame, je lui ai demandé si je pouvais prendre sa lampe parce que ça m'intéressait, et puis en fait, c'était elle que je voulais prendre, quoi. La lampe, pour moi, c'était de l'alibi, quoi. Et celle-ci, bon. C'était à Châtellerault aussi, je lui disais, mais vous êtes sûr que votre pendule marche? Il me dit, ah oh bah ça m'étonnerait, je viens juste de la remonter. Puis là, il écoute et moi j'ai déclenche, quoi. Voilà, c'est toujours des photos instantanées. C'est toujours des. Et c'est ça qui me fait rire un peu dans les vides-greniers, c'est que c'est toujours des situations pas possibles, quoi. Là, les deux dames qui discutent de choses et d'autres, je sais pas de quoi, qui vendaient un évier à deux places, alors là, bon, il fallait que je fasse la photo, là, bon. Là, on ne cherche pas, hein. On y va, on appuie, on déclenche.